Les Gaîtés de l'Escadron, un film de 1932 de Maurice Tourneur, d'après la pièce de théâtre et le roman de Georges Courteline. Le montage est assuré par Jacques Tourneur, le fils de Maurice Tourneur, qui, d'ailleurs, notons-le, avait déjà réalisé en 1912 une version muette des Gaîtés de l'Escadron. Nous retrouvons dans les rôles principaux Maddy Berry, Katy Pearson, Rému, Jean Gabin, Fernandel, Henri Roussel qui jouait dans la version muette de 1912. Et enfin dans des petits rôles, Paul Azaïs et Pierre Dac. Le sujet, le train-train de l'escadron, égayé par l'arrivée des réservistes, assombri par l'inspection du général, secoué par la désertion de deux hommes, tyrannisé par le féroce adjudant flic et amusé par de fortes têtes désopilantes. Notre avis. Dans la première moitié des années 30, les films dits de comiques troupiers sont certainement les films les plus populaires du cinéma français. Il faut dire que la vie militaire est très importante pour les Français, puisque le service militaire est de 18 mois et il est suivi, comme l'indique le scénario, de périodes de rappel, de réserve, où les conscrits sont donc amenés à renouveler une période militaire. Et comme les Français ne voyagent quasiment pas à l'époque, mis à part pour leur voyage de noces, eh bien, les périodes du service militaire ou bien de rappel au chef-lieu militaire, eh bien, ça fait partie des petites aventures de l'existence. Il y a la vie de caserne avec les camarades, les beuveries et bien sûr les soirées au bordel. On comprend donc mieux la popularité de ce genre de spectacle. Oui, il y a une certaine nostalgie amusée chez le public masculin à retrouver comme ça au cinéma les petites aventures militaires qu'il a vécues par lui-même durant ces périodes militaires. Comme le disait fort justement François Vineuil, Maurice Tourneur n'est pas un grand réalisateur, en ce sens qu'il n'a pas réellement de style qui lui est personnel. Oui, lorsque l'on regarde un de ses films, on ne peut y voir sa signature particulière, comme c'est le cas par exemple pour des réalisateurs comme Renoir ou pour Jacques Feder. Mais en revanche, c'est un très bon artisan du cinéma. Comme le disait encore François Vineuil, Maurice Tourneur, c'est le type même du réalisateur qui va passer du film policier au mélodrame, à la comédie, au film comique troupier, sans y laisser une empreinte personnelle, mais avec toujours beaucoup de professionnalisme et d'efficacité. Et dans Les Gaîtés de l'Escadron, Maurice Tourneur nous fait voir une fois de plus que sa réputation n'est pas usurpée. C'est un film sans défaut, techniquement, et qui est sérieusement construit. On notera d'ailleurs l'importance du travail réalisé par son fils, Jacques Tourneur, dans le montage de ce film. En effet, dans Les Gaîtés de l'Escadron, il n'y a pas, à proprement parler, d'intrigue. C'est plutôt une succession de sketchs. Et grâce au montage intelligent de Jacques Tourneur, eh bien, on arrive à voir un lien entre les différentes séquences amusantes, et il y a donc une certaine harmonie dans le film qui, sans ce travail de montage de grande qualité, aurait pu sembler un peu décousu. On notera également, à titre de curiosité technique, que certaines séquences du film sont partiellement colorisées au pochoir. Oui, partiellement, car en fait, certains éléments de l'uniforme sont soit colorisés en bleu, soit en rouge. Bon, c'est un petit plus amusant. Pour en revenir à l'histoire des Gaîtés de l'Escadron, on remarquera tout d'abord que le film a gommé tout ce qu'il pouvait y avoir d'insolent et d'irrévérencieux dans le roman de Courteline,
qui dénonçait l'absurdité de la hiérarchie militaire avec beaucoup de virulence. Non, ici, on est dans une petite comédie, bon enfant, un bon petit comique troupier. Et bien sûr, dans ce type de divertissement, la distribution est primordiale. Et évidemment, a posteriori, on ne peut qu'être ébloui par le générique avec Rému, Fernandel et Gabin, même si à l'époque, en 1932, seul Rému, auréolé de la gloire de Marius, était déjà une star de cinéma, Fernandel et Gabin n'étant que des débutants. Et dans ce film, si on n'est pas surpris de voir Rému faire du Rému, Fernandel commençait à faire du Fernandel. En revanche, on sera assez surpris de voir Jean Gabin interpréter un rôle assez anonyme de soldat bougon qui tourne un petit peu en rond. Oui, rien ne laisse présager dans ce Gabin-là le Gabin de Pépé le Moko et des autres chefs-d'œuvre qu'il interprétera plus tard. Une anecdote de tournage pour finir concernant Fernandel. Oui, Fernandel qui arrive en retard sur le plateau des Gaîtés de l'Escadron avec 10 jours de retard, ce qui provoque bien sûr la colère de Maurice Tourneur qui est obligé de modifier son plan de travail et Maurice Tourneur qui a une réputation assez sévère envers les acteurs, donc ça démarre très mal. Oui, parce que Fernandel, avant le tournage des Gaîtés de l'Escadron, avait tourné un film en Allemagne, Un homme sans nom, séjour en Allemagne au cours duquel il avait été malade. Malgré donc ce démarrage de tournage assez contrarié, eh bien, Tourneur va finir par tomber sous le charme de Fernandel, ce qui n'est pas très étonnant, et il lui demandera de tourner en 1933 un court-métrage, L'Idoire, encore un film comique troupier, mais où cette fois, Fernandel est la seule vedette du film.